amis, soyez raisonnables et retournez au travail. À quoi ça sert de faire grève aujourd'hui? Non, vous croyez vraiment que c'est une attitude responsable? C'est quoi cette histoire de délocalisation alors? Oh, écoutez, madame l'ouvrière, bon, chacun a sa place. Nous, nous gérons, oui, et vous, vous serrez les boulons. Une usine, ce n'est pas « passe-moi la salade et je t'envoie la rhubarbe ». Non, je suis désolé. De toute manière, je suis inénervable. Donc, je ne m'énerverai pas. Salut. On a entendu parler de votre grève, alors on est venu vous soutenir avec quelques collègues. Mais vous êtes Philippe Poutou? Bah oui. Ah, vous êtes l'ouvrier qui est candidat aux élections présidentielles? Ouais, tout à fait, ouais. Et dans notre entreprise, on est aussi en lutte. On n'en peut plus des discours de ces types-là. Hein? Ils nous en mettent plein la tête, tout ça, pour qu'on se taise. Alors, il y en a marre. Il y en a marre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, les grosses entreprises, elles font des milliards de bénéfices et elles continuent de licencier et même de liquider des sites. Tout ça, pourquoi? Pour faire encore plus de bénéfices. Alors, nous, au NPA, ce qu'on dit, c'est qu'il faut commencer par interdire les licenciements. Et les entreprises qui suppriment les emplois, elles devraient être réquisitionnées et mises sous contrôle des salariés. Ça, c'est dur. Il n'y a pas du travail pour tout le monde. Ben si, en vrai, il y aurait du travail pour tout le monde. Il faudrait le diminuer, il faudrait le partager entre tout le monde. Voilà, il y en a marre de cette société où il y en a qui crèvent au chômage et d'autres qui crèvent au boulot. Ouais. Et avec 32 heures par semaine, on pourrait créer au moins 2 millions d'emplois. Qui doit payer tout ça? Eh bien, de l'argent, il y en a et on sait où il est, donc il faut aller le chercher. Par exemple, en France, c'est 39 milliardaires et qui ont eu au moins 250 milliards dans leur coffre-fort. Et ils ont augmenté leur fortune cette dernière année de 21%. 21%? J'aimerais bien être augmenté de 21%. Les entreprises du CAC 40, elles ont fait 75 milliards de bénéfices l'année dernière. Et ça ne suffit pas. Elles ont des cadeaux fiscaux. Rien que pour l'année 2017, ce serait 150 milliards d'euros de cadeaux pour les entreprises. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que ces milliards-là, ils devraient directement servir à créer des millions d'emplois. Alors cet argent-là, il faut le récupérer maintenant. Et nous, chômeurs, salariés du public, du privé et même les retraités, il faut qu'on regroupe nos forces maintenant. J'ai ma belle-sœur au téléphone, elle travaille dans l'usine d'électroménager dans la ville d'à côté et ils sont en grève. On y va? Tous ensemble, grève générale. Ben alors, monsieur, on a salué son costard? Je m'en fous. C'est un ami qui me les paye. Attends, rien de la chance, hein. Et alors? Votons pour l'un d'entre nous, un travailleur, Philippe Poutou.